Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Je suis un échec, ma vie est un échec, on va donc suivre les conseils d'un expert. Shinai, donc bien sûr, pro gamer. Puis 16 de 34. Déjà. Là, on le fait ici. Déjà, va bloquer là-bas. Alors là-bas. Genre, là. Genre l'eau. Ouais, comme ça, ils mettent moins de temps à venir. Ensuite, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Ensuite, on va les faire revenir de ce côté là. Donc on va poser une barricade là, une barricade là. Ouais, on va en mettre une double. Tac. Et comme ça. Pourquoi là-haut je peux pas en mettre. Attends, je peux en mettre sur la plaque en métal là, mais je peux pas en mettre. C'est bizarrement foutu. Mais bon, d'accord. What? Si je le mets là, ça touche là. Ok. Eh ben. On va commencer avec ça. Ils ne verront jamais ça. Non, là tu vas peut-être vouloir mettre un piège de feu. Et. C'est une suggestion, disons que je la prends. T'as de quoi poser une barricade ici? Comme ça, oui, le tour est scellé quand même. Là. Ouais, moi je peux que poser une double. Oh non mais... Et déjà, rien que ça, ça devrait être pas mal. Toi qui as posé plein de barricades, tu dois plus avoir une thune. J'ai encore un peu de budget vite fait, hein. Bon, je peux te mettre un piège de feu mural ici. Bah, tant qu'à faire, mais... Ouais, bah nickel, là. Un bon petit couloir. Non mais je pense qu'on est bien là. Ah, si ce qui aurait pu être intéressant, effectivement, c'est si t'avais enlevé cela, j'aurais pu mettre aussi un feu là, ici. Mais bon. Ah, mais ouais. C'est pas grave. Ça marche aussi. Prochain. Bon, je vais utiliser la mulette de. C'est là, parce que bon, moi, le budget entre les trucs qui coûtent 600, les trucs qui coûtent 600 et les trucs qui coûtent 1000, au bout d'un moment, je tire là. Ah bah, regarde. 1700. Oui, mais tu couvres de la zone. Moi, c'est des. Ouais. Ça couvre rien. Ah si, les grosses barricades à 1000 balles, on les voit bien, elles couvrent bien le terrain. Bon, et puis là, je pense que... Moi, je t'ai caché. C'est l'heure du loup. Ah. Là, il va falloir saucer. On va se mettre dans la ligne des pièges, là. Et il faut aligner. Ok, ils arrivent. Bah voilà, ça se passe bien pour le moment. Facile le gaming. Attends, j'ai vraiment ma cartouche que j'ai réussi à retenir là comme ça? Oui, tu peux la retenir la cartouche, hein. Mais non. Ouais, normalement quand je lâche la pression, elle part. Ah ouais. On remplace. En fait, moi pour tricher, hop, il faut que je fasse un saut frappé et ça maintient la charge. Là, je l'ai dans ma réserve. C'était trop rigolo. On a un ogre qui allait passer là. On est en déficit, monsieur. Et permettez-moi de vous offrir un piège. Ah, permettez-moi d'offrir aussi... un slow. Par contre, tu les as vraiment placés à la zob? Non. Si. Ah si, tu les as vraiment placés à la zob. Ah bon? Garanti, hein. Certifié, je te le signe où tu veux. Tu vérifieras, tu les as placés à la zob. Ah oui. Ah putain, oui. Mais les gens ont entendu sa perlipopette, donc ça va, ils t'en veulent pas personnellement.
Ouais, il faudrait 130 balles de plus, s'il vous plaît. Ouais, encore un peu. Encore 90 ou 80. Donne-moi un peu de budget. Merci, voilà. Parfait. Des flammes et des flammes. J'ai un peu quadrillé la zone, c'est bien. Il va peut-être falloir mettre quand même quelques pièges nouveaux. Ouf, oh, ce que j'ai mangé. On pourra plus tard. J'ai plus tarif. Au revoir. Non mais c'est pas mal là. Oh ouais, bon là. J'en ai posé quelques-uns. Hein. On va faire le taf ça. C'est tout ? Ils attaquent une barricade. Oh, les trilles sont si chauds. Hein. Autant de me soigner. À qui le tour ? Je peux les soigner. Lâche la horde. Non, ah non, il faut que tu replaces tes pièges de merde. Je l'ai supprimé. Bah, j'en ai remis un, j'en ai remis un. Celui-là, il est incendiaire. Alors après, je pourrais faire des caisses. Hein. Ça, c'est un stopper d'orc. Nul. Voilà. Il faudrait pas nous mettre des pièges muraux. Hein. Genre ici. Par exemple. Si. Genre un tigre par exemple. Voilà, parfait. Genre de truc là. Je suis plus un pilier. D'ennemis arrive. Les orques ne peuvent pas nous voir. Je suis un pilier. Et un bon pilier de barre même. C'était mon téléphone. Quel plaisir. Et il met des têtes à la manette. Tranquille. Ils attaquent une barricade. Pas question. Il y a toute une série de gros qui arrivent là. Hein. Je vois tellement de buts qui se promènent. Une barricade est attaquée. Je peux les laisser. Hein. Oh, très bien.
Ok. En vrai. C'est ça le truc. Il y a un peu d'abus. Mais en vrai. En vrai. Non mais en vrai. Bon là ça, ça deviendrait de l'abus. On va arrêter. Je le sens bien. Ça ira. Il y a moyen que tu mettes une double? Ça va le faire. Get placed. Et puis bah... Il est pas mal hein. On est vraiment bien. Faut que je suspende un truc ou tu remettras des lasers? Faut que tu suspends un truc. Parce que ah là, oui, c'est ici pas... ça suspend pas. Ici on a un creux. Mais je peux pas suspendre, j'ai éclaté le budget. C'est le budget national, y'a plus rien. Vas-y. Ah bah let's go. Y'a plus de budget. Après, si je veux en faire des caisses... C'est qu'au-dessus des barricades, je peux mettre ça, hein. Alors ça, ça me parle pas, et si tu peux éviter de le poser avant que je sois ok, ça serait cool. T'as posé quoi? C'est des petites arbalètes de plafond, au-dessus des barricades. Ah oui, ça par contre oui, excellent. C'était un truc que je me disais, il fallait que je me le mette dans mon inventaire, parce qu'en vrai c'est trop cool. En vrai, Le gamin il en avait posé des tonnes. Et en plus je crois que tu peux en mettre 4 sur un emplacement, ouais. C'est ça, ouais. T'en as mis que 2, mais tu peux en mettre 4. Tu les as essayé la dernière fois avec son buis de glace là, c'était vraiment fun. Et justement ouais. Tu peux les mettre là où tu les exploites pas, au-dessus des barricades. Et vu que je suis spécialiste des barricades, il faudrait que je m'en équipe. Mais elles sont pas à fond, c'est pour ça que je les ai pas mis. Bah, mais d'ailleurs, il faudrait que je les mette parce que je pourrais jamais les mettre à fond si je valide pas un certain nombre d'ennemis tués avec. Alors, bon, ça a été un génie. Alors, est-ce que je peux reprendre mon angle mort? Voilà. Alors, attends. Très bien, mon angle mort. Parfait, celui-là? Ouais. Ah, tu bougeais, juste tirer comme ça. Sans l'enjeu, tu vois pas sur quoi tu tires. Les ennemis blessés de l'une de nos portes. Comment ça ils sont en train de casser une de nos portes? Oh, on rappelle un jeu où à la fin on va fonder une entreprise de fabrication de portes. Ouais, ça me rappelle un vieux jeu. Ça me rappelle une game ça. Une game des portiers là. Ils font une percée. Mais du fameux bouclier percé. Également. Que les espaces où il y a des... barricade en fait c'est inutilisé donc autant rentabiliser le DPS. Non mais clairement hein. clairement c'est trop bien parce que justement tu peux les mettre dans des angles morts où tu peux rien mettre en temps normal et tout. C'est trop bien, c'est trop en vrai c'est un trop bon piège que j'ai pas équipé et c'est vraiment une truc grave, j'aurais dû m'en occuper plus tôt de ce truc. Et comme d'hab vu que tant que je l'avais pas amélioré au match, je voulais pas l'équiper. Par contre ça coûte une blinde hein. Bah ça coûte ce que ça doit coûter hein. Bah 750 pour un truc alors que... Ça ouais, sauf qu'on peut le mettre dans des angles morts ou inexploitables. c'est un peu très bien quoi. J'ai vraiment le but de DPS par contre. Est-ce que là... je fais des caisses moi en général. Mais est-ce qu'on peut pas faire plus de caisses? On peut pas faire plus de caisses que lui, venir avec tes conneries. Ah si. Hein? Ah si. Le jeu m'a dit vas-y continue tes conneries un peu loin. Voilà comme ça. Pas de problème le jeu. Ah, recule un peu. Y'a des garous. On a gagné. Ouais, ils arrivent par la droite, attention. La douleur arrive. Ils sont morts comme des caca. Ah y'a un orc en armure. Y'a un ogre en armure. Oui, bon, avec tout ce que t'as mis en électrique, les armures en fait, c'est juste genre pas du tout le problème en fait. C'est genre vraiment zéro problème, les mecs en armure. En fait. Avec tout ce que t'as mis en choc électrique sur le coude là. Hein, le mec est vraiment le plus grand fan de. Comment il s'appelle notre ami québécois Pérus. François Pérus. François Pérus. Tu mets un petit piège ici avec un choc électrique sur le coude? Bien sûr, qu'est-ce que t'en penses? Ah, quoique. Non, annule tout, on se tire d'ici.
On a... cette fois-ci, on a des vraies choses à faire. Ah, par contre, j'ai pas beaucoup de budget par rapport à la dernière fois. Bah ouais. T'as tout claqué de... Bah, j'ai mis les petites arbalètes. J'ai mis une dalle complète de petites arbalètes. Comme ça. Je les force à venir. Ouais, ici. Ça a l'air bien. Merde. Flûte. Espérons que vous ayez compris. Je vais mettre un petit truc ici. Hein. Petite barricade. Une barricade nette. Genre là? Non. Genre là. J'adore les pièges. Et genre. Moi je vais en mettre. Ah oui, mais je peux pas la mettre ici, c'est ça. Ouais, il faut que tu remettes une petite toune ici. Les obliger à passer dans des angles obscurs. Ou alors faire des tracés obscurs. Alors par contre, j'ai plus aucun piège posable. Plus rien? C'est fini? Non, fin de service? Rien. Fin de service. Après, ah. je peux aller récupérer 2-3 trucs. Hein. On a fait des pièces... Non, t'inquiète, c'est bon, je devrais pouvoir... Ah oui, merde, ça c'est emmerdant. Ah, c'est emmerdant ça. De l'autre côté, on a fait des caisses, mais il y a certains pièges qui ne servent à rien. Genre... Ça, nous on a fait des caisses, moi je pense. Ceux-là. Ceux-là ne servent à rien. Je viens de récupérer 1700. J'ai de quoi remettre 2 lasers s'il ouais. faut. Non, on est bon. Je suis prêt. Je pense, hein. Je pense que ça tient. Hein. Mais vas-y, viens, pose des trucs si jamais. Je suis pas fan de la disposition de cet endroit là. J'ai l'impression de travailler sur de la colonnade. Enfin, je travaille sur de la colonnade parce que si je peux rien placer. En vrai, regarde. Je peux rien placer, c'est de la vraie merde. En vrai, tout ça là. Moi, ça m'emmerde. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas plutôt ici? Directement un couloir de la mort ici, ouais, au lieu d'aller partir dans les petits coins, vas-y, ça me va. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment trop de la merde, mon truc. Et alors, il faut que je travaille sur les colonnades. Tac. Tac. Ah oui, non, t'as raison, vas-y. Hop. Ouais. On fait un couloir. Hein? Non. Mais ils ont peut-être une double. Ouais, il fallait que tu le mettes là. Ou là. Là. Enfin, à côté, tu vois, ici, quoi. Pour les forcer à aller contre le mur. Excuse-moi. Pour les forcer à aller contre le mur, voulais-je dire. Voilà. Tac. Tac. Voilà, pour l'instant pas plus. Non, pas plus. Aménageons d'abord. Donc, moi sur les côtés, les longues lignes, double flamme. Ici, impératif, de la violence pure. Double flamme. Ah. Ah, mais attends, je pourrais même... On pourrait même pousser l'économie du vice, hein. Vas-y, dis. En fait, on aurait pu faire un double couloir. Parce que moi, tant qu'à tirer, je peux tirer des deux. En fait, c'est genre, je mets juste une barricade double au milieu et les gars, ils peuvent passer à gauche et à droite. Mais non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que je peux pas poser de piège contre ces colonnes. Ouais. Bien vu, Shinai. T'as un génie. Et moi, je n'ai plus une thune pour mettre du coudron par terre. Donc, il faudra être présent. Je suis là, je suis présent. Nickel. Problème réglé. Allez, let's go. Okay, j'arrive. Tu vois, tant qu'à faire, au lieu de s'emmerder dans un petit couloir comme ça, où je peux pas des... où je peux pas mettre les trucs comme je veux. Ils arrivent. Normalement, il est pas mal ce couloir. Normalement, il est solide. Ah ouais, non, par contre, ils prennent vraiment aucun dégât des types feux, hein. Ouais, bah eux, oui, bah t'as vu les gros boucliers noirs qui s'allument, quoi. Mais ils prennent quand même les dégâts des clous. Par contre, eux, oh là là. Bon truc, flambin. Ah, moi, je vois des gros cochons grillés, là. Eux aussi, normalement, ils aiment pas trop le feu. Hein. Ouais, ils sont pas fans, ouais. Confiant. Ouais, bah je pense qu'on a bien fait de le mettre là, hein, le couloir. Ça, c'est vraiment juste pour les mecs qui aiment pas les. Voilà, qui aiment pas l'arcanique. Monstre de feu lourd. Bah. Après, s'il y a un niveau où il y a
je suis sûr qu'il n'y a pas de démon et pas sans dommage de feu sur les lasers. Hein. Non mais après faut avoir toujours un peu de tout pour varier parce que là on va avancer dans des niveaux, de toute façon il y aura de plus en plus de variété. Donc évidemment là par exemple on est sur un truc où bah moi je suis inutile. Enfin inutile, ils ont moins performant. Inutile on peut-être pas poussé jusque là le délire. Allons voir ce que ça donne de l'autre côté quand même. J'ai quasiment fini. Oh ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ça a l'air de réussir à avancer un peu quand même, hein. Que dalle en fait, j'ai rien dit. J'ai carrément rien dit. En fait, les barils. Il faut quand même se méfier des gnolls qui vont tracer en fait, c'est ça. Ouais. Faut y retourner parce qu'en fait, faut forcer les gnolls à nous venir dessus. Ouais, mais tu vois, les balistes de plafond sont plus utiles que les archers, je trouve. Ah, tu. Tu trouves ça plus utile que mes petites arches elfes, c'est ça? Bah, déjà elles. Ah, non, peut-être pas en vrai. Je sais pas. Les archères. Après, oui, ça m'étonne pas en vrai. Puisque ils sont. Bah, ils sont plus chers, premièrement. Les pièges, ils sont plus chers. Après, c'est surtout ce qui est trop bien, c'est qu'ils occupent des emplacements de plafond et pas de sol. Ah oui, pourquoi je me fais chier à tirer le boulon alors que je peux me mettre là, voilà. Dans l'angle mort et arroser comme un gros tarde. Voilà. Je suis vraiment en full dommage arcanique hein, quand même, hein. C'est la violence. Je pense que ce côté-là, il n'y a pas besoin de toucher. Il n'y aura pas besoin d'y toucher. Ouais, même eux, ils crament. Je vais regarder si on peut pas optimiser le côté droit. Enfin gauche pardon. Alors j'ai commencé à rajouter une barricade ou deux, une paire de clous au sol vite fait. Ouais je vois. Parce que j'avais pas grand chose en budget. Mais après faut pas non plus. On est sur du feu, c'est pas performant contre eux, et on avait qu'un début de couloir. Hein. Après, faut pas oublier que là, par exemple, on est la couche qu'on a mis. Allons-y. Ils vont arriver de partout, donc. Ça va les prendre au dépourvu. C'est quoi, je vais même le mettre en suspens au-dessus des clous. Voilà. Ouais. Je pense que comme ça, c'est mieux qu'on puisse faire avec l'argent que j'ai. Là, je peux pas faire. Je peux pas faire mieux. Dernière vague, de toute façon. On va se taper un boss en plus. Ouais. Ça a l'air de te perturber de ouf, hein. Ouais. Parti à gauche, hein. Ok. Ouais,
chercher. Ils attaquent une barricade. Putain, j'ai des seigneurs de feu qui sont là. J'ai vraiment fait ça? On se relève pas de ça. On veut un coup de main ou pas? C'est bon, ça ira. Ils ont détruit une j'ai peur que les barricades pètent par contre. Une barricade est attaquée. Ouais, il y a une barricade qui est pétée. Je la remets. Homme. Vous verrez pas ça dans un manuel. Quand le mec qui ressuscitait les trolls, c'était insupportable. Ah, besoin d'aide. Il y a une barricade qui est tombée. Une barricade est attaquée. Ah oh ouais, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux la replacer. Oh, ce sera pas la peine. C'est bon. T'emmerdes pas, il n'y a plus personne. Ouais, j'ai vu le... J'y crois pas, ça a marché. Merci. De rien. Oh, 286 kills d'affilée, là. Non, on est à 1 million. Pas mal. Fallait pas me chercher. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu d'abus? Plus d'arbalète au plafond, non? Ouais. Ou je rajoute un ralentisseur. C'est un stopper d'armes. Non, bah regarde, j'ai explosé mon budget pour rajouter. Hop là, hop là. Heureusement que je suis taillé un chemin au milieu des ennemis. Prends pas compte. On avait, il y avait un crâne par terre qu'on n'avait pas ramassé. Parce que pareil, des crânes en fin de combat, il faut. Tu sais, en fin de game, t'as des extra crânes qui sont dans la game, qui sont par terre. Ok. Voilà. Un pour l'équipe de l'or. T'as souk les Artimus. Et ils sont synchrones, hein. Putain. Nouveau meilleur score. Yeah. Voilà, c'est ça. Le parfait. Enfin. Pétard. Bon, bah, c'était cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors, moi, déjà, il faudrait que je m'équipe de ça. Infliger 5000 de dégâts, il serait peut-être temps que j'équipe les balistes automatiques. Comment on... Grimoire. Alors, inflige des dégâts d'arcane ou augmente la portée de ciblage. Comment je me les équipe, gros? Tu peux pas les équiper, c'est au début. C'est au début des games. Déception permanente. J'y mets quoi, dégâts d'arcane? Pour? Bah pour les arbalètes. Ah on peut ouais. Oh, j'ai envie de partir là-dessus moi. Oh, j'ai envie de partir là-dessus. J'ai le Boing Boing. On a le Boing Boing de base non? Le Boing Boing. Ah non je n'ai pas le Boing Boing. C'est quoi le Boing Boing? J'ai pas le Boing Boing. Un arbre à ruche géante d'abeilles tueuses. Ok. Moi j'ai envie de dire tout est dit là. J'ai envie de le prendre moi. Vas-y. C'est pas un truc de siège ça non? Peut-être scénario de siège déclenché pour que les ruches chutent, ce qui provoque une distraction et inflige des dégâts aux ennemis. Un scénario de guerre uniquement si c'est un piège de guerre. Martèle les ennemis lorsqu'ils. Ah mais c'est toi qui l'as. Tu as le mini Boing Boing. Le piège à rabat. Ah le piège à rabat oui je l'ai. Oh là là, le mec a le piège à rabat. Ouais, je l'ai. Mais je l'ai pas utilisé beaucoup, encore. On peut peut-être t'arranger ça. Ah ouais, on va t'arranger ça.
On va t'arranger ça. Oh, attends, je viens de trouver un piège qui a l'air drôle. Ah, je vais utiliser celui-là. Des bisous YouTube, on se voit dans le prochain EP, comme on dit dans le milieu. Des bisous.